Les retraites du parti Ensemble pour la République dans le gouvernement de l'Union Sacrée et la validation de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023 sont parmi les grandes décisions ressorties dans les congrès d'Ensemble pour la République tenu à Lubumbashi. Cette précision est du fédéral de la Fédération d'Ouvira lors d'une séance de restitution tenue à leur bureau de la Fédération d'Ouvira à Kimanga dans la commune de Moulongwe, qui a réuni les responsables des structures de base de ces partis chers à Moïse Katumbi. Ingénieur Guilin Kikwire Karangwa revient sur la motivation de leur retrait dans l'Union Sacrée. Comme l'a été bien annoncé bien avant, nous sommes retirés dans l'Union Sacrée par rapport à l'aspect qu'on a observé. Nous, ça fait 2 ans qu'on était dans l'Union Sacrée. Nous avions été sollicités par notre président Tshisekedi qu'on puisse appuyer le gouvernement. Il est vrai que nous sommes y entrés sans problème, mais on avait un cahier des charges qu'on avait soumis au niveau du président qu'on puisse accompagner ce gouvernement. Mais néanmoins, on a observé qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tout ce qu'on avait proposé dans notre cahier des charges, ça n'a pas été pris en considération. Et que, en général, l'insécurité à l'Est, la corruption et d'autres préoccupations qu'on était censé quand même d'améliorer, ça n'a pas été pris en considération. Et 2 ans après, on a évalué, on a senti que nous, ça ne va pas. Nous sommes décidés de se retirer parce qu'on a compris qu'il y a une mauvaise gouvernance qui n'a pas arrangé notre parti ensemble pour la République.